Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Lego Indiana Jones. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On commence déjà par de l'action, enfin remarquez, il y a beaucoup d'action je trouve dans ces derniers épisodes. Pouf, prends ça, et un dernier coup à eux. Donc avant qu'il y ait des gugus qui reviennent à chaque fois, on va casser ceci et on sera tranquille. Voilà. En fait il suffisait juste de fermer les camions pour être tranquille lors de cette première partie. Donc je vous rappelle, le but de la série c'est de faire le jeu Lego très rapidement possible, enfin en faisant tous les niveaux correctement, en essayant d'avoir à chaque fois le niveau aventurier. Donc pour le moment j'ai eu qu'un seul fail, donc je m'en excuse d'avance pour ceux qui disent t'es nul. Bon, ça peut arriver à tout le monde hein, de pas être le meilleur, mais c'est pas grave, là n'est pas une histoire, enfin c'est pas le sujet du jour. Ce qu'on va faire c'est creuser avec celle-là. Hop. Ok, j'ai l'impression que je ne peux... Enfin, qu'il y a... la poste qui n'est pas passée. Attendez, je... Attendez ça, on va tester un truc. Ouais. Oh, une pièce bleue. Une pièce violette. Youhou. On va pouvoir débloquer les chevaux, ça c'est bien. Voilà, donc on va pouvoir circuler avec les chevaux dans toute cette partie-là du niveau. Et on creuse quelque chose d'étrange. Ok. Une petite échelle, sympathique. Voilà, on va monter au niveau de cette échelle, hop. Non, je veux la pièce bleue là-haut. Oh là là, il y a des problèmes au niveau des textures, c'est hallucinant. Ouais, on peut pas sauter, bon tant pis. C'est juste une pièce troll. Et j'ai l'air un peu idiot puisque je n'ai pas le mec avec un... Il saute pas où lui? Avec un bouquin pour déchiffrer les hiéroglyphes. Alors là, là, et là. Et voilà. Oh oh. Allez, je veux avancer. Je suis en train de me gratter la tête. Le mec, il devient chaud à force de gratter avec sa tête. Mais dis donc, ça a l'air dur. Ouais. On a débloqué tout ça. C'est ce que je disais bien, il était chauve, hein. Alors, qu'avons-nous? Ouais, des pièces. Encore des pièces, plus de pièces. Toujours des pièces, on va être niveau aventurier très rapidement. Enfin, du moins, je l'espère. Oh, me dites pas que je veux lui. Ouf. Ah bah non, je me suis planté. J'allais dire une connerie. Mais ça va, j'ai pas eu le temps de la dire. Voilà, plus qu'une partie de cette poutre pour y arriver. Après, on va devoir utiliser... Ok, je suis en train de... Il faut les Tougies, ici on n'a pas de Tougies. Vous avez vu comme tout s'entrecroise. Mais il va nous falloir aussi une torche. Pourquoi une torche? Eh bien, je vous explique, parce que vous avez bien vu, là, il y a un côté qui est allumé, l'autre qui ne l'est pas, pour pouvoir accéder à ça. Vous avez vu la petite zone lumineuse qui s'est affichée. Pour pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes. Puissance 4! Non, c'est puissance 3. Alors, on va récupérer la poutrelle, on va aller voir... Le dernier des Templiers, c'est bien ça en plus, hein. Je crois que c'était ça l'histoire. Un croisade, c'est les Templiers avec le Graal et tout. Encore une histoire de sainteté. Mais cela ne nous regarde absolument pas. Ah,
troll pas gentil. Est-ce qu'il a tué son père? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser, mais j'ai pas l'impression. Enfin, que son père est mort. Vous voyez, ici, il y a... Ok... j'ai absolument pas retenu, encore une fois. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ok. C'était une très mauvaise idée de l'afficher. Oh, je sens que je vais galérer. Bon, la pièce bleue, tant pis. Hein. Pour une fois, je vais dire non à la pièce bleue. Vous savez quoi? Voilà. On va... Hop. Allez là. Wout. Oh non, je le sens pas du tout. Wouhou! Le sauvage inextrémiste pour avoir le premier mini-kit. Eh oui, premier mini-kit de l'épisode. Oh là là. Je le sens pas du tout ces trucs-là. Je me souviens que je galérais ça. Hop. Ouf. Concentration extrême. Yeah. Réussi, Indy, de toute façon il va suivre. Ça qui est bien, c'est qu'on est plutôt tranquille avec Indy. Tranquille, tranquille. Hop, on y va doucement. What. J'ai pas envie de tomber. Les pentes sont abruptes. Voilà, je veux récupérer mes pieds-pièces. Mes pieds-pièces. Yeah, non, ma pièce bleue. Pourquoi tu t'en vas? Et on pousse le pont, on pousse. Allez, ça là, allez. Ok. On récupère des pièces bleues supplémentaires. Voilà. Les pièces bleues là, on va pas la laisser aux autres. Oh, mon dieu. La pièce violette. Alors, on dirait que ça rétracte les crochets, mais j'ai pas l'impression que le temps... j'ai l'impression qu'ils vont Ah non, c'est bon. J'avais une mauvaise impression. Non, je pensais que ça allait ressortir tout doucement les pics le temps qu'on reprenne le niveau là. Mais c'est pas grave. Donc. On pousse. Allez. Ah, le Lego qui rentre dans la texture. Logique. J'aime bien les logiques de jeu. Où sommes-nous? Que se passe-t-il ici? Non, on peut pas passer là. Il nous faut quelqu'un de petit. Ok. Ici, on peut pas. Hop, on va récupérer ça peut-être. Voilà, mais avant de récupérer ça, on va déchiffrer les hiéroglyphes. Parce que nous sommes intelligents. C'est quand même intéressant, hein, quand même, d'avoir un livre et paf! Le savoir est entre nos mains! C'est vrai que le livre est une belle invention. Alors, il faut déchiffrer des hiéroglyphes pour pouvoir avoir le diamant, le placer dans l'œil, et ensuite que la porte s'ouvre, avoir la clé et commencer à pouvoir faire tourner deux clés en même temps pour avoir un pont viable. Qui n'est même pas fini et qu'on est obligé de sauter de rampe en rampe. Hop, hop, et hop, nickel. Ouh là 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 là. Oh, la pièce violette. Vous la voyez, cette pièce violette? Voilà. Elle est pour moi, la pièce violette. Non! Il est tombé. Ouf. Ouais, j'ai réussi, nickel. Hop, on passe tranquillou.
Avec la magnifique musique du jeu. On récupère les quelques pièces qui sont en bas. En gros, on a construit un chemin, enfin on a permis à Salah de venir. Mais il va l'avoir dur. Hop, voilà, t'es deg, hein, t'as vu ça? Alors, qu'y a-t-il à faire ici? Super, il y a des serpents, donc Indy peut rien faire. Et il va nous falloir... Hop, la torch. Je veux la torch pour allumer le feu. Pour que les serpents se cassent et qu'on puisse accéder à Indiana Jones de ce côté-là du niveau. Niveau aventurier à 80 000, normal. Narmol, je dirais. Hop, tranquille avec son petit lasso. On récupère ça. Hop, tranquillou. Et on va ouvrir la porte. La porte. Donc c'est 10 000 hein, quand même, ou 20 000 les pièces violettes. C'est vraiment très très bien fait. Allez, viens. Oh là là, je le sens pas du tout. À mon avis, il faut aller sur les trucs qui clignotent. I, E, H. Ça va peut-être dire quelque chose. Hein. What? Oula, ça casse. Ouh, ça va. On a réussi à passer sans encombre. Et j'ai pas réussi à lire tout ce qui était là. Ah oh mince, on peut pas aller dans la tête comme ça. Est-ce que nous sommes des tarés? Allez. Pièce bleue. Non. Ça va. Hop. Et voilà, comment gagner des pièces pastoches. Alors, on va prendre la torche, ça peut être intéressant. Alors là, je comprends pas du tout. On passe au-dessus du vide. Ouais, et mini kit numéro 2, seulement numéro 2, je vous l'accorde. Oh là là là, c'est assez impressionnant de passer au-dessus du vide hein, quand même. Enfin, je dis ça, c'est quand même vrai, hein, vous passeriez au-dessus du vide comme ça, tranquillou. What? Voilà, ma torche elle est tombée, c'est pas grave, je sais même pas pourquoi je l'ai lâchée. Parce que j'ai juste tapé quelqu'un avec. Enfin, j'ai juste voulu taper. Ces deux objets. Hop. On va aller là-bas. Que va-t-on faire? On tourne. Je sais pas du tout ce qu'on va débloquer là. C'est la grande surprise, parce que j'ai pas l'impression de voir quelque chose. What? Ouais. Ok, j'ai pas compris pourquoi je suis tombé. Je ne sais pas pourquoi ça a éliminé ça. Mais ce n'est pas grave. Hop, on va accéder ici. On va utiliser vite fait le hiéroglyphe que j'ai vu là-bas. Ah ok, j'ai compris pourquoi il me fallait la torche, super, on va revenir vite fait un petit peu en arrière. De toute façon c'est le dernier épisode donc on en profite hein, même s'il dure une heure, ce qui m'étonnerait fortement. Hop. What. Il me faut la torch. S'il vous plaît. C'est assez spécial quand même de passer au-dessus de... Au-dessus du vide. C'est vrai en plus dans le film il y avait ça si je ne dis pas de bêtises. What. Hop. Ouf. Le truc dans ces cas-là c'est qu'on peut pas voir... Où s'arrête la plateforme ou ne s'arrête-t-elle pas? Tu sais que celle-là est super mal placée. Je sais, je suis absolument pas sûr. Hein. Ouf, j'ai eu bon en plus. Je vous avouerai qu'on n'a pas vu, mais après par déduction, il n'y avait que deux cases possibles et j'ai tenté la celle la plus probable. Vous savez quoi? Je suis pas du tout rassuré qu'il y ait... Ah. C'est bizarre hein, quand même.
Bon, on passe à 100 000 pièces, hein. Et on arrive dans la fin. La vie éternelle, ok. Oh, il est trop beau. Ok, il en a après nous, j'ai l'impression. Il en a vraiment après nous. J'ai l'impression qu'il vient que uniquement à certains endroits. Là, il peut pas hop, nous attaquer tant qu'on a ça. Voilà, on débloque la troisième salle. Ah si, il vient quand même. Bon, on récupère les grosses pièces, hein, vous savez. Le Graal ne peut tendre pas du tout. Donc il est comme ça, lui. Il veut nous battre aussi facilement. Ok. Hop. Il se bat contre Indy. What? D'accord. Quel est le bon Graal à votre avis, les amis? Bah écoutez, on va tenter ça. Ah! Oula, ce qui m'a mis! J'ai rien compris. Hop, on va le mettre là. Mais! Oh là 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 là! En plus, c'est mal fait, hein, dis donc! Non, je sais plus du tout lequel que c'est, le bon. Ah, mais il fait mal, hein, en plus! Oh là là! Lequel est le bon? Ils se ressemblent tous! Wow, désolé pour la saturation du micro. Mais non! Mais il me met un coup d'épée, je suis déjà mort! Oh là 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 là, hein! Mais c'est hallucinant ça! Oh là là, il est pénible hein, celui-là! Ok, je suis mort. Ah oui, parce que c'est pas le bon. Je suis mort parce que c'est pas le bon. C'est question, oui, d'accord. Je viens de comprendre pourquoi je meurs. Brouh! Ouais, il m'a fallu du temps. Hein. Moi, je pense que c'est. Je vois pas du tout lequel que ça peut être en plus. Hein. Ok. En fait, on meurt parce que c'est pas le bon. D'accord, je viens de comprendre. Il fallait juste que je me souvienne de quoi c'était. Et moi, je pense que c'était tout simplement. Hop, c'est tout simplement celui qui est là, le tout pas beau. Non, pas lui. Je veux lui. Lui, ouais, lui me semble bien parce que c'est le seul qui est pas en or, pas en rien du tout. Ouais. Hé hé. Super, le Graal a été perdu, mais ce n'est pas grave. Nous avons terminé enfin le dernier niveau du jeu Lego Indiana Jones. Donc moi j'espère que ça vous aura plu. On va aller acheter les derniers personnages de ce jeu. J'ai l'impression, donc les mini-kits devraient... Hop, on va terminer l'histoire. Je vais vous laisser la cinématique et je vous reparle tout de suite après.
Bon, bah, je vais juste vous passer ça. Sinon, vous pouvez voir tout le générique de fin. Alors, bah, on a terminé le dernier niveau de la dernière croisade. Ce qui est vraiment bien. Je suis en train de réfléchir à mon outro. Donc, on va acheter les derniers persos. Il y aura bien sûr encore le dernier niveau bonus. Alors, le Chevalier du Graal, 100 000, c'est pas grave. On a largement ce qu'il faut. Et Walter Donovan... On a lui et lui. Lui, je sais que c'est Yann Solo qu'on peut acheter. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas la logique. On a bien vu R2-D2 lors du dernier épisode. Donc, hop. Et lui, je crois que c'est... Ah oui, lors du prochain... Du dernier niveau. Nous allons voir ça, ce qu'on peut faire ensemble pour voir si le niveau a été débloqué. En tout cas, moi, j'espère que ce Let's Play vous aura plu. J'espère bien. On a des pièces, mais on n'a pas le... Ah, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai tous les mini-kits pour pouvoir y accéder, donc c'est pas grave. On va faire quelque chose. Je vais tenter quelque chose, les amis. Ouais. Je veux bien acheter quelque chose, s'il vous plaît. Allô ? Bon bah j'ai pas l'impression qu'on peut le faire. Mais c'est pas grave, je vais essayer de débloquer les mini-kits pour le prochain épisode, le dernier épisode qui sera un niveau bonus. Je vous en dis pas plus, de toute façon ça se fera la semaine après cet épisode là. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi j'ai pris un plaisir fou à retourner sur ce jeu. On se retrouve lors du niveau bonus. Laissez un pouce vert si vous avez aimé. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Et on se retrouve très vite. Allez, bye bye les amis!